Coucou tout le monde, c'est Phoenix Baldos et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Enclave. Rappelez-vous, la dernière fois nous avions défendu l'avant-poste de Yelon, je sais pas comment ça se prononce, je sais toujours pas comment ça se prononce. Et nous avions été recrutés par nos anciens détenteurs, geôliers, pour accompagner l'un des derniers marchands qui a encore le courage de traverser l'enclave. Et c'est parti, nous allons donc le village de Celedia. Alors pourquoi? Pour escorter Marcus, voilà, très bien. Et bien c'est parti, allons escorter ce fameux marchand. Oh, classe, on peut choisir un personnage. Chevalier, chasseresse. Chevalier, chasseresse, au nombre incroyable de deux. Franchement, je trouve que les animations sont quand même pas mal. Tout ce qui est l'espèce d'oiseau mécanique là du menu, et là, c'est vraiment chouette, je trouve. J'avais jamais joué, franchement, ça me coupe les jambes, on va dire. Chevalier, bon. La chasseresse, c'est habile, fort, remaniement de l'arc. On va garder le chevalier. Hein, voilà. Ah, d'accord, donc équiper votre personnage. Donc, je n'ai pas de munitions. Ok, d'accord, donc du coup je peux choisir. Ah, d'accord. Donc épée, hache. Alors, ah mais c'est, il faut que je lâche. Ah, attendez, c'est de l'argent. Alors, attendez. Ça. Plus faible. Le plus faible des haches. Une arme utile, mais sa forme la rend difficile à manipuler. Le gourdin clouté, c'est une arme plutôt lente en comparaison. Dégâts. Simple mais lourd, cette arme peut causer des dégâts au détriment de sa vitesse. Putain, what the fuck. La plus faible dans sa classe, elle remplit pas son office. Alors, faible longueur de la lame, mais la largeur du tranchant est efficace. Et je peux pas l'acheter celle-là, bon. Attendez. Ah si, c'est ce qui me restera à la fin. Ah merde, Attendez. Ensuite on a bouclier clouté. Dangereux par ses poids. Oh la vache, c'est cher. Ok, bah on va garder la base hein. Voilà, on va garder la base. Très bien. Bon bah du coup, on garde l'épée, ouais. On garde ça. Voilà. Donc pas de munitions. Alors attendez. Et essayer de prendre l'arbalète. On va essayer de prendre. Oh. 120 carreaux, ça, non. 60 carreaux. Je pense que ça a l'air pas mal. Donc voilà. C'est parti. Enfin, je sais pas du tout ce que j'ai fait parce que ça... j'ai jamais vu. À la demande de la reine Eilidel, pardon, j'ai été envoyé dans ce village pour aider le marchand Marcus. Des pillards des gratards ont attaqué avec sa caravane, volé ses biens, son livre de compte, et de lui a quitté le village, escorté machin, trouver le livre de compte. Marcus doit survivre. Ok. Marcus doit survivre. Très bien. Bah, on essaiera de faire survivre Marcus. Très bien, je fais peur. Marcus est ce gros bonhomme, alors du coup, si j'ai bien compris. Alors, je sais juste plus du tout les touches. C'est un peu débile. F, c'est pour boire la potion, normalement. Je ne sais plus comment on fait pour changer les armes. Superbe. Comment on fait pour changer les armes? Je pense qu'avant, je vais faire... je vais revoir un peu... les... configuration de la manière. Voir un peu quand même parce que ça se le fait pas vraiment de utiliser l'arme. Hein. Arme suivante, Q. Non, c'est pas possible que ce soit Q. Ah, quoi que, attendez, c'est possible. Non, c'est pas possible. Bon, bah c'est pas grave. Ah, bonjour. Alors, vous êtes l'aide que j'ai fait demander. Excellent. Je suis Marcus, le marchand. Des pillards ayant attaqué ma caravane, j'ai besoin que vous retrouviez mon livre de compte. Nous avons aussi besoin de passer la grande porte du village, donc vous pourriez avoir besoin de trouver une clé.
Hâtez-vous, nous n'avons pas le temps. Est-ce que c'est moi ou Marcus? Pouvez-vous sécuriser le chemin? Alors attendez, comment j'attendrai ici. D'accord. Je sais plus comment on fait. Oh, j'ai tout oublié. Comment on fait pour Ah voilà, c'est eux. Donc il attend ici, très bien. Pouvez-vous sécuriser le chemin? Donc. Ok. Allez, meurs. Non, il a appelé la garde. Je vais avoir toute la garde sur le dos. Merde, mauvais côté. De l'argent, il me faut l'argent. Oh, une potion. Et ça c'est quoi? Un point de contrôle activé. Oh, génial. Bon, très bien, alors du coup Marcus, c'est pas par là qu'il est, mais je vais par là, on sait jamais. Ah merde. Oh, c'est les apprentis. La technique du jeu j'attaque en reculant a fait ses preuves. Je me fais quand même bien défonce. Oh, une potion. Voilà, là c'est de l'eau. Avez-vous entendu? Oui, il est là-haut. Il a une masse. Bonjour. On va essayer par là. Donc faut que je trouve un livre de compte, faut que je trouve une clé et faut que je trouve je sais plus. Point de contrôle activé. Qu'est-ce que ceci? Une statue. Wow! Technique de j'avance et je recule, comment veux-tu? Me teste. Le combat le plus épique du monde. Jamais vu sur YouTube. Voilà. Dieu, cette porte est fermée. Bien, retourne en arrière. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc en fait? C'est une statuette qui sert à... Qui sert à rien? Qui sert à rien. Alors, c'est parti. En fait, je me demande si j'ai pris une arbalète en fait. C'est ça le... Normalement, j'en ai pris une, mais je sais plus quelle touche c'est pour l'avoir. Faudra vraiment que je me renseigne un peu plus la prochaine fois. Oh, il script. Mais oh. Ah, mais je peux aller dans l'eau. Je pensais que je me noyais, moi. Bruitage quand même pas trop mal. Enfin, on continue alors dans ce cas si... Si ça se trouve, il y a des... Il y a de l'or. Non, il n'y a pas d'or. Par contre, est-ce qu'on peut remonter du coup? Oui, on peut remonter. On saute assez haut. Alors, on vient de par là. Il ne semble pas que je sois allé par ici. Oula. Je vais dans des endroits... étrange. Ah, ah non non. Je suis sorti de la map. Bon, on va revenir vers Marcus parce qu'il m'avait ouvert une porte. Est-ce que je vais pouvoir? Oui, allez hop. Marcus, où es-tu? Bonjour Marcus. Il y a un gobelin. Où est-il? Il est là. Oula, il y a un ninja. Ninja. Ce qui est chiant, c'est que voilà, je peux pas. Oula, oula. Tu te calmes là. Ok, c'est moi qui gagne. Glou glou. Oh, il est endormi. Chut. Il s'est réveillé. Je vais te rendormir moi, tu vas voir. Qu'est-ce qu'il a fait?
Oh, un livre de compte. C'est lui? Non, ça a pas l'air d'être lui. Oh merde, j'ai failli te décapiter, Marcus. Ah, excellent. Ah, vas-y. L'économie de Selenheim dépend de ce livre. Ah. Je ne l'aurais jamais perdu s'il n'y avait pas eu mon stupide de frère Lorus. À présent, aidez-moi de l'autre côté du village. Très bien, de l'autre côté. Oh, de l'or. Marcus! Marcus! Non! Ne tanquez pas, Marcus! Faites attention. Il prépare peut-être une embuscade. Oh, ah oui, l'embuscade derrière la porte, ouais. Petite embuscade derrière la porte. Ah, il m'a bien saigné, l'enfoiré. On va prendre une potion, on n'est jamais trop prudent. Mais Ah, oh non, c'est... Oh, quel con. C'est mon bouclier. J'ai peur de mon bouclier. Oh. On va d'abord se débarrasser des petits gobelins. Si on arrive. Mais... On l'a eu, on sait pas comment. Marcus! Tu peux venir! Non. Ah non, si, c'est des oiseaux ça. Marcus, qu'est-ce que tu branles? De l'autre côté du village. Et où veut-il donc que nous aillons? Marcus! 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 Où est-ce que tu veux que j'aille, Marcus? Dis-le-moi! Peut-être que j'étais peut-être allé trop vite du coup et j'ai découvert des zones qu'il ne fallait pas découvrir directement. Non, c'est de l'autre côté. Alors on va retourner voir. Là, voilà. Ma foi, non. Ça n'a pas l'air d'être là. Peut-être y a-t-il une autre maison à ouvrir? Peut-être y avait-il quelque chose à chercher dans la forge qui n'apparaissait que lorsque nous allions secourir à trouver le livre de Marc. D'accord. Une porte s'est ouverte. Ok, le décor est fourbe. Là! Ah! Quel enfoiré! Là-bas! Un truc bleu. Voilà, j'ai gobé le truc bleu en fait. Wouh! Je vais te faire tomber dans le vide. Rodin. J'ai un carreau planté dans mon... Dans mon truc, c'est quand même beau. Là! Ils sont trop petits! Je n'arrive pas à les toucher! C'est les combats les plus épiques! Eh la vache! Meurs! Résiste aux lois de la physique! Ouh! On va prendre une potion. On va y aller. T'as un bombardier! La clé de la ville! C'est elle! Marcus! Marcus! Bouge ton cul, Marcus! Marcus! Les portes! Marcus! J'ai trouvé la clé, Marcus! Viens, Marcus! Par là! Que se passe-t-il? Oh! Attention, Marcus! Ils sont fourbes! Continuons de chercher la clé. Non, mais je l'ai trouvé, Marcus. Attends, mais mec... Damnation! La porte est bloquée! Quoi? Trouvez un autre passage. J'attendrai ici. Non! C'est pas possible! Ils l'ont enfermé de l'intérieur, il en restait un!
Ils se sont enfermés, mais je suis là. Ils ne savent pas que je connais déjà leur secret. Regardez-moi celui-là. Allons le tuer. Il ne mérite que la mort. C'est toi qui nous as fait tomber les tonneaux dessus ? Gredin. Alors, ne pas tomber. Vite, Marcus nous attend. Ce village m'a l'air quand même bien calme, et surtout bien désert. Une trappe. Non, ce n'est pas une porte. Ainsi donc, c'était lui. Il a fermé la porte drôlement vite, hein, quand même. Ah, Marcus. Entre, Marcus. La clé est en haut. Marcus, tu fais peur. Ah, la clé. Excellent. Allez, partons à présent. Nous n'avons que trop traîné ici. La musique s'affole. À l'aide. Ne t'inquiète pas, Marcus. Je vais mourir pour toi. Non, Marcus. Je ne veux pas mourir. Moi non plus. Viens, Marcus. Vite, Marcus. On ne sait pas où ils sont. Pouvez-vous inspecter le chemin? Je reste ici. What? Oh la vache. Marcus, défends-toi! Défends-moi! Une potion serait d'utilité. Marcus, défends-toi mieux que ça! Oula! Non mais Marcus! Ne me te... Ne bloque pas le passage, Marcus! Sois pas con! Marcus, reviens! Marcus! Il m'a abandonné, le salaud! Marcus! Je suis à moitié mort, Marcus! Un trou. Merci pour votre aide. Mais nous n'avons pas encore récupéré les marchandises qu'ils ont pris à ma caravane. Ils ont dû les cacher dans ce temple abandonné, non loin d'ici. Nous devons nous débarrasser d'eux, une fois pour toutes. Venez, suivez-moi. J'ouvrirai la porte pour vous. Bah, c'est la moindre des choses, j'ai envie de dire. Bien, missions accomplies. On a trouvé 127... Eh bien, nous avons protégé machin, et puis... génial tout ça. Vous avez reçu une nouvelle mission, les 4 temples abandonnés, au lieu du temple abandonné. Ok, très bien, sauvegarde en cours. Excellent. Très bien, messieurs, c'est le village de Célédi... Ouais. Céladia, j'espère que ça vous a plu. C'est Marcus est fourbe, il faudra que je m'en doute. Hein. Faudra que je me... Ouais, que je fasse attention à lui quand même. Hein. On sait jamais, il peut être allié à nos ennemis. J'espère que cet épisode vous aura plu. Nous nous retrouvons pour le temple abandonné afin de retrouver les marchandises de Marcus. Mais d'ici là, portez-vous bien et moi je vous dis... À qui au revoir tout le monde !